Ok, bon, on sensations va sont pour y aller. temporelles. Ok, donc merci à tous d'être venus pour le concert à Sedana. Donc, comme vous le savez, c'est Haritogami qui va jouer ce soir et un musicien mystère. Haritogami, je te laisse la parole. Ok, donc comme vous le savez, enfin pour les vieux de la vieille du serveur, il y avait un musicien qui avait du talent et qui a joué dans un amphithéâtre à Azur qui s'appelle Jim Lao, qui est ici présent, qui a disparu de la scène musicale manfieldienne pendant un bon moment et ce soir c'est son retour. Voilà. Donc ovation Jim Lao. Jim Lao qui va nous faire des musiques. Donc c'est un concert duo, voilà. Kim là-haut. Bon. Donc là en gros ça sera voilà. Donc là en gros ça sera le début, les petites musiques de Noël un peu jazzy, et après on passera au concert de piano à proprement parler avec des musiques qui déchirent. Donc pour le moment on va passer à la partie un peu gnangnan. Voilà, donc c'est les petites musiques d'attente histoire que les retardataires arrivent. C'est les trucs de Noël. Les Katazuzumaldi. Ça Il est où la sort. Voilà, Elle a donc toujours des retards à la terre, donc voilà, donc on est à c'est deux jours. pour ça. Donc voilà. Toujours Il est musique où de la fanfare. fille? Thank you.
Donc là, je pense qu'on a eu droit à tous les retardataires là, qui doivent être en transit direction l'amphi. Normalement, on s'en charge. Voilà. Bon. Donc là, on va commencer le concert à proprement parler. Donc avec une playlist à vous retourner les boyaux et le cerveau. Oui, tant qu'à faire. Ouais. Fais pas les choses à moitié. Alors, on va commencer tout de suite avec une musique de Chrono Trigger. Donc voilà, ceux qui connaissent, hein. Chrono Trigger, donc c'est le battle theme de Chrono Trigger.
Ouais. Et les applaudissements. Bravo. Ouais. Oh, c'est beau. Donc voilà, donc vous avez pu écouter une musique de Chrono Trigger, donc le thème de bataille. Et maintenant, on va avoir droit à aussi une musique de Chrono Trigger de Jim Lao. Donc c'est Winsen, Jim Lao. Yes. Ouais, GG. Ah non, ouais. C'est beau. Donc, ouais. Donc il vous a interprété Chrono Trigger, Winsane. Et maintenant, vous allez avoir... Ouais, c'était beau, c'est vrai. Et maintenant, vous allez avoir droit à une musique de Chrono Cross, cette fois-ci. C'est Réminiscent. Décidément, tu nous gâtes, là. Là, c'est pas moi, c'est lui. Ah oui, mais même. C'était superbe. Dites-le en descendant. Donc voilà, donc... Donc, le Rémi... premier cadre shop sur la scène, il fait un joli vol plané d'au moins 30 cubes de haut minimum. Ragnarok. Je peux voilà. Commencer. Donc mise en guerre de Thorgrim, le prochain sur la scène, un vol de 30 cubes au Ragnarok. Tout de suite, Jim Lao, Chrono Cross, Réminiscence.
Voilà, on applaudit bien fort Jim là-haut. Bravo, bravo. Magnifique. Pour rester dans les jeux épiques, maintenant je vais vous interpréter le thème d'intro de Final Fantasy VII. Ah. Je crois qu'il y a un petit souci. Ah, on n'entend plus rien. Il s'est mute. Ah, c'est maman qui vient d'entrer dans la chambre. Il a peut-être été déconnecté. Non, ça doit être ses parents. Mais non. Pour moi, il a perdu la connexion. Il est mute. Ah. Le traditionnel bug, voilà, bah on l'a eu. Voilà, pour ceux qui suivent mes concerts, vous le saurez, il y a un bug à chaque fois, à chacun de mes concerts, donc voilà. Là, voilà, donc ça c'est fait, il y aura plus à le faire. C'est pas grave, on se cotisera pour ta connexion. Ouais, ouais, c'est ça. J'attends un casque du Papa Noël. 5€ chacun, ça va vite. Ouais. Bon, donc on l'a refait, donc le main theme de Final Fantasy VII. Voilà, donc on l'a refait. Je suis ton plus grand fan. Je t'aime. Oui, moi aussi, je vous aime. Maintenant, on y va. On m'a vu qu'il n'y a plus de pianiste, c'est moi le pianiste. Quel talent. Ding, 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 ding. Ouais. Ouais. C'est moi ou on n'entend rien? Chut, c'est toi.
Voilà. Et on va enchaîner sans aucune transition sur un truc qui a détruit le cerveau de millions de personnes qui ont joué à FF7. Yann 4. Et les doigts de nombreux pianistes, accessoirement. Je veux bien sûr parler du thème de Final Fantasy VII, le thème de bataille, le thème de combat. Quelqu'un peut m'aider, j'entends pas le piano. Donc le magnifique thème de combat. Si on pouvait me remettre ma parole prioritaire aussi. Voilà. Tu l'as, hein, depuis tout à l'heure, tu l'as. Je sais pas, l'espace d'un temps, je l'ai pas eu. Bon, donc sur ce, le thème de bataille de Final Fantasy VII. Fait. Refait. Ça, donc c'était le thème de bataille de Final Fantasy VII.
Donc maintenant, on va continuer sur un thème de bataille, mais cette fois-ci, celui de Final Fantasy VIII, interprété par oui, Jim Lowe. Oui, oui. Tu pourrais juste mute et remute ton micro pour moi, s'il te plaît, je n'entends pas. Mute enfin, et remute mon micro. Ouais, sur, tu mutes et tu démutes. D'accord. Parce qu'en fait, moi, je t'entends ici, mais sur ton piano, je t'entends. Non, mais pas... Attends. Peut-être que ça changera quelque chose, c'est vrai. Là, peut-être, non. Non. Non, B. Ara, il y a Yuna qui te pose une question. Yuna. Des types sont montés. Ils se mettent devant moi. Ok. Bon. Est-ce que Thorgrim est toujours là? Voilà. Mais non, j'ai quitté le jeu. Je peux plus être sans jeu. Voilà, bon bah. Pourtant, c'est sinon, loges, hein, donc c'est voilà. Accès, justement co-personne, donc pas de jumpcraft s'il vous plaît. Ouais. C'est des loges, c'est pas fait pour les chiens. Merci. On n'est pas des chiens. Non, mais bon. Voilà, donc. Éviter ça, c'est le genre de truc qui pourrit un event qui est censé être plutôt sympa. Ouais. Donc voilà, donc sur ce, Jim Lao va vous interpréter le thème de bataille de Final Fantasy VIII. Franchement, génial. Putain, ça joue, hein. Puissant. Ah oui, là, c'est... Bravo. Il y a du niveau, ce soir. Ça déchire quand même. C'est fait en direct ou c'est enregistré? C'est un duplex. C'est un duplex pour la bonne et simple raison qu'à 22h, si on se mettait à jouer comme des porcs, là, les voisins gueuleraient. Ah, d'accord. C'est purement pour des raisons de copropriété, d'accord. On va dire. Ouais, on s'en fout des voisins. Allez. Voilà. Ouais, quel concert, hein. Voilà. T'as coup, il donc, sonne top, il fait ouais, je peux écouter. Donc voilà, donc maintenant je vais vous interpréter une musique assez connue des gens qui ont joué à Final Fantasy VII et même les gens qui n'y ont pas joué parce que ça fait partie de la culture générale, j'ai envie de dire, cette musique là, le thème de Sephiroth. Ça fait partie de la culture. Thank you.
C'était Sephiroth. Magnifique. Bien joué. C'est tellement bon. Super. Voilà. GG. Donc ceci était le thème de Sephiroth. Donc maintenant on va avoir droit à une musique de Jim Lao tirée de l'OST de Final Fantasy VIII et qui s'intitule Julia. Holy. Clair. Franchement, c'est la classe. Ouais, voilà. Après, donc, c'était du Julia, donc tiré de l'OST de Final Fantasy VIII. Ouais, bravo. Voilà. Et ne soyez pas timide sur vos dons aux musiciens. Ils le méritent. Ça donnait de l'argent. Voilà. Sans bon. Où bah, je leur donne du pain. Non. Tu fais du pain. C'est pas des dons à PO. Tu fais du pain. Donc, quant à moi, maintenant, je. Je vais vous interpréter une musique de Mafia 2. Oh. C'est le thème d'intro de Mafia 2 que je trouve plutôt sublime, disons-le. Donc voilà, donc Mafia 2. Ah ouais, quand voilà. Même. Putain. Ça fait plaisir de voir ce titre. Ça me donne envie de pleurer. Voilà. Donc, non, non, ceci... ça touche l'âme. Ceci était Mafia 2. Donc maintenant... J'aimerais bien What You Buy Night, moi, s'il te plaît.
On verra ça après quand on aura fini le concert, les musiques et la carte. Juste une question, c'est où exactement à Sedona le concert? Goddammit. Amphithéâtre. Alors comme je l'ai dit, tu pars de Stendhal, Azur, Sedana, et à Sedana il y a des panneaux partout, tu peux pas louper l'amphi. Il est assez ouais, c'est l'amphithéâtre qui est d'ailleurs très joli, on peut le dire. Ou sinon Harmonia, Azur, Sedana. À côté de l'endroit où il y avait non, les mais là avions, je suis à Sedana, je cherche. Et ceux qui grippent accessoirement, vous serez retrouvés parce que les logs ne mentent jamais, donc un conseil, soit vous évitez, ou soit vous le faites, et vous êtes dans une merde noire. À vous de voir. En tout cas c'est super bien ce que vous. Donc maintenant, on va avoir une musique de Jim Lao qui va nous jouer. Jim Lao va nous jouer une musique tirée de Final Fantasy X-2 et intitulée Bezaid. 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 Moi aussi, je Bezaid. C'est assez sublime, c'est magnifique. Voilà. Et évitez de monter sur scène, s'il vous plaît. En plus, vous êtes filmé, c'est pas malin. Un raison de plus, un il y jour. Plus je... trop dur dans ma mère, elle m'a toujours dit qu'un jour je deviendrai célèbre. Voilà, donc maintenant, on va s'éloigner des musiques de jeux assez épiques. Et on va rentrer dans une section, comment dire, plus différente de la musique. Donc là, je vais vous interpréter Linkin Park, Bleed It Out. Oh, yes. Oh, cool. Ouf. Oh, c'est une tuerie, ce mec. Ah, oh, bravo. Fais péter. Thank you.
t'as vraiment un don. Bravo. Si tu fais... va t'inscrire dans une école ou je sais pas quoi. T'as vraiment un don. Voilà. Voilà, donc ça c'était pour ma petite amie qui est fan de Linkin Park. Oh, c'est voilà. Mignon. Voilà. Donc la petite amie. Elle est dans le channel. Ça c'est dit. En bikini. Poursuivre pour continuer sur la lignée des trucs épiques, on va faire un truc pour ne pas laisser sans reste nos amis de 360. Ça va être le thème de Halo 3. Oh, cool. Magnifico. Magnifique. Ouais. Joli. Plus c'est Halo 3 donc super. Merci. Bon. J'aimerais bien crier applaudir mais il y a des gens chez moi. Bon. La musique de Minefield. Donc maintenant, on va avoir droit à Jim Lao qui va nous interpréter une musique de Portal 2. Karamia. C'est bien. Cool. Ouais. Allez, go. Thank you.
C'était à The Better, Faster, Stronger. C'est magnifique. Ouais, franchement, super. Voilà, donc on n'a pas fait de transition parce qu'on n'avait pas envie. Les magnifiques doigts de Jim Lowe vont nous interpréter une musique de Jan Tiersen, qui pour l'anecdote est le compositeur de la BO de Amélie Poulain, donc Continent Notre Été, et il va nous interpréter une variante de Continent Notre Été, qui est appelée vulgairement Continent Notre Été numéro 2. Ouais, joli, joli, franchement. Ça joue là. Excellent. Moi aussi, je sais jouer comme ça. Nous en prends. Donc voilà. Donc là, par contre, on va attaquer tout ce qu'est les musiques, mais bien épique, je dirais même remasterisé avec le piano et l'original derrière. Justin Bieber. Du truc, je vais te tuer, toi. Du truc en grande pompe. Donc on va commencer avec Two Step From Hell. Pour ceux qui connaissent pas, c'est des musiques plutôt épiques que je vous conseille fortement. Tier 1 les utilise pour ses vidéos assez souvent. Et bah faites-nous rêver. Mais on demande que ça. Et arrêtez de monter sur la scène, mes autres. Oui. Depuis tout à l'heure, ils nous font rêver. Descendez la scène, s'il vous plaît. Donc, tout de suite, Two Step From Hell. Et la chanson était intitulée Earth of Courage. Thank you.
Ouais, c'est cool. Je ne pourrais pas dire c'est métal, mais c'est cool. Ouais, c'est donc voilà. Piano. Ça compense largement. C'est classique. Donc maintenant on va passer à une musique de 30 Seconds to Mars, This Is War, que j'ai un peu remasterisé en mettant le début de l'original et la fin de l'original derrière le piano pour ajouter un effet. Et bah vas-y, lance. Et bien c'est parti. Si quelqu'un pouvait prendre une photo de... T'inquiète, c'est fait.
Non mais des gens dans l'arène là. Oui mais t'as bon. Là, c'est moi c'est même une vidéo Thanks. Si tu veux. Je viens d'en faire une à l'Est. T'as pas besoin de dire la fin de ta phrase de toute façon. Donc le pire c'est que Trimor lui il s'est carrément allongé sur le piano. Oui, enfin bref. Arrête de Voilà, donc maintenant un diamant. D'accord, oui. Donc maintenant je vais vous interpréter deux musiques de Iron Maiden. The Trooper. Donc, The Trooper et puis après on tapera dans du When the Wild Winds Blow. Oh putain, magnifique. Je vais tomber amoureux de toi. Moi qui dis d'autres bêtises, joue avec Togan, vas-y. Reviens quand tu feras du 92C. Hein. On peut le dire. Ouais. Grande classe. Voilà. Donc maintenant, pour histoire de refroidir un peu la chaleur que j'ai jetée sur cette place. C'est sur moi que tu as jeté cette chaleur. Ouais. C'est exactement ça. Tout dehors. Refroidir à Sedana. Il y a des blocs de glace qui sont en train de morfler là. Merci, Aris.
C'est ça, et bien là je vais jeter un froid. On est assez d'Anna là, je rappelle. Je vais jeter un froid en jouant When the Wild Wind Blow, donc quand le vent sauvage soufflera. Neige à la 1.8.
Et le vent souffla. Magnifique. C'est magnifique. Ouais, joli, joli. Super. Je suis un peu dingue, je dois y aller, mais ouais, franchement joli. Pour ceux qui continuent à filmer, faudra que vous mettiez le lien sur le forum pour que je puisse voir la suite. Tout sera mis dans le topic, dans la section. Ouais, moi aussi je vais y aller, je souhaite à tout le monde une bonne soirée. Franchement, que dire, Arras, c'est magnifique. Ok, eh bien vous verrez la suite, ne ratez pas la suite sur les vidéos de Yuna et Rex. Ouais. Bon. Là, franchement, bonne soirée tout le monde, c'est franchement merci. Qui fait Daft Punk. Bon, on va quitter l'univers pseudo metal rock de Iron Maiden, 30 Seconds to Mars et autres, pour passer à de la dubstep. Ouhou, ouais. Si, si. Donc voilà, donc on va commencer avec Skrillex, Scary Monster. Oh putain. Cool. Ouais, tant qu'à faire. Voilà. Ah ouais. Wow. Plus de dessins, plus de dubstep. C'est le tout de beauté. C'est le tout de beauté. Donc, ça c'est dit. Suivant. On va continuer maintenant dans ce thème un peu comme ça, un peu de dubstep. Et je vais faire Ratata, que j'avais joué sur mon concert de la Robinson avec Tirwan. Donc Ratata, le retour, le live. Thank you.
Yes. C'est classe. Voilà. Alright. Alright. Donc maintenant on va passer toujours dans de la dubstep, mais quelque chose d'un petit peu plus soft que j'avais joué la dernière fois en compagnie de Katmi au Lotus, mais ça avait malheureusement pas été filmé, pas comme cette fois. Merci Yuna. C'est une musique de Deadmau5, Strob. Oh, joli. Bon, moi, justement, je vais y aller. Donc, ciao.
Sedana. Ah bah. Ouais, ouais, okay. J'ai la larme aux yeux. J'ai les larmes aux yeux, pardon. Bon, maintenant, ça va être le final. C'est un truc qui m'a mis des heures à préparer. Je vais même pas le présenter. Je vais simplement mettre un petit teaser que les gens devineront tout de suite la musique dont il s'agit. But there's one they fear. In their tongue is Dovahkiin, Dragonborn. Voilà. Ça c'est bon, ça me joue. Ça c'est du lourd. Donc sur ce, maintenant que je n'ai absolument plus besoin de dire ce que c'est. Toi tu viens de briser mon intro. Vas-y arrête, mais t'en sais pas. Donc maintenant que j'ai plus besoin de présenter ceci, et ben c'est parti. Thank you.
Sultas. C'est tout. Yes. Sublime. Magnifique. C'est pas tout, c'est juste magnifique. GG. Bravo. Good game. C'est plaisir. Bon, donc, bon, maintenant, on va passer à ce que je vais appeler la chanson à la demande, dans la mesure des stocks disponibles. Donc, c'est-à-dire... C'est un classique, tu veux pas y échapper, Rito Gamino. Bon, étant donné que je l'avais anticipé, mais depuis longtemps, je l'ai enregistré. Oh, c'est ça, il est professionnel, j'aime bien. Oh mais je vous connais, ça va. C'était... D'ailleurs, oui, on... Qui c'est qui me l'avait... Je crois que c'était Dorux qui me l'avait demandé. Ou Selenia. Non, c'était Selenia qui me l'avait demandé. On t'écoute. Voilà. Bon, donc, où j'en étais ? Requiem of a Dream. Après, faudra penser à Jim là aussi. C'est vachement bien. Voilà. Alors, Arito Gami, je pense que tu as quelques suggestions dans le chat Mumble. D'accord. Je pense que tu peux y jeter un coup d'œil. D'accord. Pendant que jette un coup d'œil, je vais laisser au soin de Jim Lao de jouer quelque chose qui est très connu et qui plaît à tout le monde.
Ah, oh, ouais. Un classique qui marche toujours aussi bien. Magic. Howard, il fait vraiment chier. Bon. Donc, le diamant que je vais vous donner, c'est génial. Je suis en train de regarder le chat et il y en a une que je viens de voir, proposée par Loga. Et j'approuve. Donc, c'est une musique, comment dire, plus que connue. Et machin, la terreur, beau dire ce qu'il veut, je la jouerai quand même. Parce que c'est comme ça. Faut pas déconner non plus. Hein. Faut juste que je me souvienne du titre, parce que... Aeristem, voilà. Merde. Y'a que ça marche pas. Ouais, c'est un peu ça. Ce qui se passe là, c'est qu'il y a un mumble qui déconne. Ah, d'accord. Bon, ça arrive. Il vient de jouer à Geekman Cube for a Dream. Enfin. Oui, je l'ai joué il y a pas deux minutes. Donc j'essaie de comprendre pourquoi ça marche pas. En attendant, n'hésitez pas les dons hein, pour les musiciens, je répète, mais bon. Ils le méritent, ceux qui l'ont moi, pas encore fait. Moi j'essaie de faire des dons, on va dire entre parenthèses physiquement, mais j'y arrive pas forcément. Donc... Bon, enfin, où en étions-nous? Ah oui, on en était là.
Voilà. Joli, vraiment joli. Merci. Alors d'autres titres ont été proposés hein, dans le chat Mumble. En l'occurrence, Samrod qui a proposé Wild Arms, c'est ça? Ouais, mais personne ne connaît ce jeu. Ouais, j'en ai bien peur. Connais pas. Google est votre ami, mais ils ont... Sinon, perso, de toutes les musiques que t'as mis, j'en connaissais qu'une. du Zelda, c'est possible ou pas? Du Zelda, j'ai pas. Peut-être que Jim Lao aurait du... Peut-être qu'il aurait du Zelda. Ah, ouais, bah, ouais. Il a pas enregistré d'autres choses, et puis là, à minuit, sortir le piano, c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus mieux à faire. Bah, c'est quoi vos pianos? C'est des gros pianos qui font 500 kilos, ou des petits pianos? Moi, c'est un piano droit. Yamaha, et lui, il me semble que c'est un synthé Yamaha aussi, de je sais plus quoi. Il dira ça mieux que moi. Pourquoi il peut être perdu s'il est pas droit? Je suis avec eux. Le serveur est up. Ok. Bon. Donc Jim Lao avec son grand cœur va vous interpréter une musique de Zelda. Oh yeah. Et du coup, j'ai pas fait les réglages, alors ça va être joyeux ça. En direct, live. Freestyle. Bon, la classique. Pour du freestyle. Yunamoon qui demanderait à Kuna Matata du Roi Lion.